Studio 5 à l'appel, nous sommes dans notre studio de répète, vous êtes avec nous, vous êtes les bienvenus les amis. Je suis en compagnie de monsieur Frédéric Denis, salut Fred, toujours bon en forme? Oui, très en forme, dans on sait pas quoi mais en forme, merci. En forme, et de l'autre côté j'ai monsieur Christophe Vérin, salut Chris. Salut. En forme? en forme, oui. Cette émission est réalisée dans les conditions du direct. Il est même diffusé en direct. Si vous nous regardez le jeudi soir sur ma télé, eh ben, bienvenue à vous. Vous pouvez nous retrouver le dimanche en replay, en intégrale, à partir de 10h. Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Alors moi, j'ai un truc à vous demander, les amis. Si vous venez de nous rejoindre, eh ben, vous êtes un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Si vous venez de nous rejoindre, eh ben, pensez bien à partager. On est ensemble pour 2 fois 45 minutes. Vous pouvez nous demander vos morceaux sur Facebook ou alors vous pouvez nous les demander par téléphone. Et ça, pour qu'on puisse vous appeler, puisque c'est à l'appel. Christophe, je vais te laisser nous expliquer le concept. Alors, tout simplement, forcément, nous sommes connectés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir demander votre morceau, nous laisser votre numéro de téléphone, on donne tout à notre ami Bertrand et ensuite forcément on vous appelle, vous demandez ce que vous voulez et si on peut le faire, on le fait. Quoi qu'il en soit, c'est une émission qui vous est dédiée totalement. Alors tu sais quoi, on va démarrer avec ce qui nous a été demandé. À l'instant, Céline de 13, j'espère ne pas me tromper dans le prononciation, des traits. Oui. Vient de nous demander que je t'aime. Moi, j'adore ce morceau. Est-ce que tu as ça en stock? Un morceau de Monsieur Johnny Hallyday. Moi, t'as vu ses yeux? De Johnny. Bah non, mais que je t'aime. Ah non, mais je l'ai pas, que je t'aime. Gabriel, alors? Attends, bouge pas. Parlez un petit peu. T'as pas un vieux truc de Johnny, genre Retiens la nuit ou L'idole des jeunes, des choses comme ça? Céline ne nous en veut pas, que je t'aime. Christophe l'a pas en stock. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas en stock, Christophe, ça, que je t'aime. Mais on a tout ça en stock, mais on sait pas où. Non, je ne le fais pas cette semaine que je t'aime. Pourquoi? Bah, ça va donner envie à Céline de venir la semaine prochaine parce qu'il y a Romuald et il veut la chanter celle-là. Ah, voilà. D'accord, ok, on va la garder pour Romu la semaine prochaine. Bon, d'accord. Et tu vas nous faire un morceau de Johnny? Je vais faire un petit medley de Johnny, ça vous dit? Allez, c'est parti! C'est parti. C'est parti? Ouais, avec la reverb du Stade de France. Voilà. Allez, c'est parti, Merci, Bucu. Envoyez vos messages, demandez vos morceaux. Monsieur Christophe Vérin, on est en direct avec vous. Vas-y, explose-moi les oreilles avec ta musique, s'il te plaît. À cette chanson, plus de musique. À cette chanson. Ce terre-là qui me rappelle autrefois. Oublie-le s'il faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas. Mon cœur, lui, n'y tiendrait pas. De l'entendre, je le sais. Oh, je me souviendrai qu'elle me disait. Comme d'autres là-bas.
j'attends le jour qui verra mon retour. Quand revient la nuit et tout seul je m'ennuie, ici le temps n'en finit pas. Vous chantez chez vous, retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans cette course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, grand amour aille le jeu et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit, mon amour, qu'il devienne éternel. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Je te donne, tu dois être forte. Quand notre fille sera un homme, il aura beaucoup à faire. Oh, si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Alors il va falloir qu'on pousse les murs parce que je suis inondé de messages et de demandes. Ils ont bien fait de demander du Johnny, tiens. Ah bah si t'es inondé de messages, change ta toiture. C'est Alors on me demande si la semaine prochaine il serait possible d'avoir un Franck Michael et d'entendre l'absence de Monsieur Franck Michael la semaine prochaine. Oh l'absence. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ouais, parce que la semaine prochaine, on est sur l'émission avec les invités. Tu nous expliques un peu le concept. Alors, donc la semaine prochaine, l'émission sera plus dans les couleurs de ce qu'on faisait juste après l'été, c'est-à-dire avec les invités. Christophe et moi, on sera à tes côtés pour animer. J'adore. Et on n'aura que des invités. Donc, comme on disait tout à l'heure, on reçoit. La semaine prochaine, on reçoit, on ouvre les portes. Et on reçoit Clémence, on reçoit Greg, on reçoit David, on reçoit Romuald. Ça, c'est ce qui est convenu pour la semaine prochaine. Et les semaines d'après, ça sera, on ne sait pas encore. D'ailleurs, à ce sujet, juste une petite parenthèse, on va recevoir encore une fois, enfin pas encore une fois, mais notre ami Jean-Yves Berciot, moncd.fr,
qui va venir, je sais pas, alors je sais pas si ça sera au mois de mars ou février. C'est encore avec, programmation. Voilà, c'est en cours de programmation avec Amandine, Amandine Musichini, la cordoniste, qui viendra ici sur le plateau, donc qui sera présente avec nous. Les dates sont inconfirmées, mais... Moi, je serais content d'avoir Guy aussi. Je serais content d'avoir ta peau, vieille canaille. Alors, on peut avoir Guy. Après, est-ce qu'on le reçoit en tant qu'invité? Est-ce qu'on le reçoit en tant qu'artiste? On en parle, mais pourquoi pas? Ça les deux. Peut être une bonne c'est idée. Bien aussi. Ouais, c'est encore mieux même. C'est encore mieux même. Oui, oui, non, mais très, très bonne idée. Très bonne initiative. Les garçons, vous savez que les gens passent une excellente soirée en famille, tous ensemble. Tu veux une blague? Ouais, vas-y, familiale. Hein. Ah bah non, il n'y a pas de blague du coup. Non, il n'y a plus de blague alors. Si. Non. C'est parce que on se connaît bien quand même. Hein. C'était sur on Johnny. Le connaît bien en fait. C'était sur Johnny. Alors si tu veux, juste avant d'aller à un anniversaire, t'as la tchatcha, Laetitia qui vient la voir et qui lui dit « Johnny, qu'est-ce qu'on pourrait offrir au grand garçon de ma sœur ?» Lui il fait « Je suis pas trop calo, mais bon, tu peux y faire un chèque. » Elle fait d'accord, il n'y a pas de problème, mais je lui fais combien? Fais-lui 5 000. 5 000, pas de problème. Et donc, elle lui fait 5 000 euros. Elle fait ouais, mais on va pas y aller pour, je veux dire, le petit, son petit frère, il va être quand même, il va être déçu. On lui fait un cadeau aussi, fais-lui un chèque aussi, pas de problème. Et on fait combien au petit? Hop, petit le mille. Non, si. Elle est familiale, ça. Ça elle est bien, elle est bien familiale. Sinon, tu peux pas me voir pendant 10 minutes. Ouais, non, mais celle-là, elle sera moins familiale. Alors, les amis, je vous en ai parlé il y a quelques instants. D'accord. Si vous êtes fidèles sur nos antennes, vous l'avez certainement découvert cet après-midi, puisque cet après-midi, dans l'émission de 17h30, moi, je vous donne rendez-vous. Hein, chaque jour à 17h30, on vous parle de l'actualité de la vie saint-quentinoise. On vous parle pas de Covid, hein. Ça, je peux vous l'assurer. On vous parle des choses positives. C'est qui, ici ça sur notre qui ça? Covid. Ah, c'est voilà. Hein. On rien à voir avec David. Alors, la semaine prochaine va se dérouler pour la première fois sur notre territoire un événement. Ça s'appelle Hauts-de-France-en-Seine.fr. Ça se dégage, ça se crée. En tout cas, ça a lieu. Allez, hop, pardon, ça excusez-moi. Ça a lieu du 24 au 28 janvier. Toutes les scènes saint-quentinoises vont être ouvertes aux artistes musicaux et de tout domaine. Hein, on va aborder de la musique, du cirque, de l'entresort forain, de marionnettes, bien sûr de la danse et du théâtre. Il y en aura vraiment pour tous les âges. On va pouvoir découvrir énormément de groupes différents, d'artistes différents sur scène, en vrai, en live, et ce, à partir de 3 euros. Et c'est une très, très belle initiative de la région Hauts-de-France, du département de l'Aisne, de la ville de Saint-Quentin. Y participe aussi Le Splendide, la scène des Élysiques, la scène Europe, pardon, et la Manufacture, et bien sûr le ministère de la Culture. Et on aura l'occasion de vous inviter. On vous invite. Oui. Venez, venez nombreux, venez en famille, venez soutenir l'ensemble de ces artistes. Rappelle-moi la date. Ça sera du 24 au 28 janvier. D'accord. Et le programme est, bientôt, est accessible sur hautdefranceenscene.fr. Et vraiment, venez, c'est dès la semaine prochaine. Ou si vous vraiment vous pouvez pas vous déplacer, eh ben nous, on ira dans les spectacles pour vous et on vous invite à venir. Ah, sinon, dans vous donnez procuration à quelqu'un d'autre, hein, si vous pouvez pas voilà. Venir. Voilà, bah. Voilà, vous pouvez venir dans nos émissions quotidiennes. Oui. Et puis, on reviendra sur ce très, très bel événement musical. Et justement, tu as parler de Splendide et je voudrais faire un grand coucou à l'orchestre. Non, franchement, j'ai vu dans ce matin que notre grand Axel du Splendide prenait sa retraite. Eh ouais, voilà. Eh ouais. Pas Nounours, c'est ça, c'est pas, non, c'est, pas Axel, c'est Axel. Axel. Bah, le directeur du Splendide. Du Splendide. Et souviens-toi, Fred, on peut lui faire un bel hommage parce qu'il nous avait bien reçus quand on tournait les émissions Culture Club. Ouais. Et c'était un super directeur. C'est toujours parce qu'il reste quand même un mec extraordinaire. Oui, bien sûr. Avec vraiment une implication. Ouais. Hein, et je très voulais le
leur remercier. Hein. Ouais, parce auprès des groupes, auprès des artistes, pour que ça avec se passe un vrai caractère possible. Quand même. Ah ouais, voilà. C'est Axel. Hein. Tu faisais pas ce que tu voulais, mais on a toujours été bien reçus. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la dernière fois que nous avions mis les pieds là-dedans, c'est quand on nous a annoncé. C'était le début de ça, c'était Glenn Miller Orchestra. C'était le dernier, exactement. Christophe, Fred, on me demande si t'es plutôt Lens ou Marseille. Ah, j'ai vu passer. Parce que ce week-end, il y a un gros derby, hein. Moi, je dirais. C'est pas vraiment un derby. Je dirais Lens, mais par rapport à Kevin, je vais dire Marseille. Oh, t'es un salaud. Et toi, Fred? Attends. Pas de réaction, Kevin? Pas de réaction de Kevin. Non. Il a fait un malaise. Pas de réaction. Ah, depuis là. Ah, je vous dirai pas ce qu'il a dit. Lens, le Pas-de-Calais, bien sûr. Chez nous. On va être un peu chauvin aussi. Hein? En même temps, je regarde jamais le foot. En même temps, les garçons, on vient de nous demander un morceau. Oui. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, c'est avec toi, Fred, qu'on va y aller. Bah, parce qu'il y a quelques instants, on nous a demandé Monsieur Frédéric François, Ma liberté d'aimer. La liberté d'aimer. Eh ben, sens-toi libre de jouer. Prends plaisir. Tu l'avais chanté devant Fred, Frédéric François. Non, je devais la faire et c'est Bertrand qui m'a dit fais pas ça, fais plutôt Mon cœur te dit je t'aime. Bon, faut que j'arrête le pinard. Voilà. Faut que t'arrêtes tout court. Ou change de marque. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez. Peut-être ça. Un baiser fugace et discret de femmes qui se cachent pour s'aimer partout dans ce monde. En émoi, il y a trop d'amants hors la loi. Deux mains qui se frôlent sans rien dire. Deux hommes tout tremblants de désir, rêvant de quitter leur pays. Capable d'amour interdit. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous la prendre, il faut qu'on la défende. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer dans un monde arc-en-ciel, je me battrai pour elle. Ne vérone que rien ni personne ne résonne, c'est le bon mélange des couleurs qui met de l'espoir dans nos cœurs. Il y a trop de rêves prisonniers, trop de sentiments enchaînés. Le plus beau cadeau de l'amour, c'est de s'afficher au grand jour. Hey! La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous la prendre, il faut qu'on la défende. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, dans ce monde arc-en-ciel, je me battrai pour elle. Il faut qu'on la défende.
arc-en-ciel, je me battrai pour elle. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous la prendre, il faut qu'on la défende. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, dans un monde arc-en-ciel. Bravo, bravo, merci bravo beaucoup. Et je crois qu'on a fait merci énormément d'heureux. Hein. Ah bah oui, oui. Bah j'espère, en tout cas, c'était pas prévu, hein, donc du coup... Ah bah ils étaient super nombreux hein, derrière. Hein. Merci, merci, merci. Allez, merci. On va appeler, Nicole, puisque c'est tiens le concept. Eh bah juste... Non. Comment Nicole tu Nivis sais ça, toi? Parce que je viens de l'avoir passé. Eh bah, tiens. J'ai reconnu son prénom. Nicole Marty. Eh bah on appelle Nicole. Ça doit être ça, oui, oui c'est ça. Bonsoir, bonsoir Nicole. On va juste te demander de couper le son de ta télé pour que ça revienne pas. Attends, je le coupe. C'est mon Bluetooth. Oui, oui, on attend. Ouais, pas de souci. La télé est coupée, moi j'écoute sur le Bluetooth. Ah, alors, super Nicole. Nicole, comment ça va? Ah, ça va très très bien. Je suis tellement contente que vous m'appeliez, mais c'est un bonheur pour moi. Oh Nicole, au son de ta voix, j'entends un accent comme ça. Et bah, oui. T'es de quelle région, Nicole? Je suis du Sud, donc je suis aveyronnaise de naissance et j'habite dans l'Aveyron, bien que j'en sois partie pendant un petit moment. J'habite exactement à Rodez, qui est la capitale... Ah, mais, Rodez. Oui, oui, je t'entends, Nicole. On vous entend. Qui est la capitale de le chef-lieu aveyronnais, voilà, on va dire. Waouh, j'adore cette région, personnellement. Alors, ah, Nicole, oui, Nicole, ah, oui, bonjour. Vraiment. Bonjour Nicole, bonjour. C'est Christophe, ça va? Bonjour Christophe, bonjour, oui. Ça va très bien Christophe. Alors pour gagner les 2 millions d'euros de ce soir, il faut nous donner des 5 bons numéros. Attends, ça vient de où les 2 millions d'euros là? Ben, c'est toi, c'est moi. Bricocage, gauchy. C'est Bricocage, d'accord. Un bon d'achat de 2 millions d'euros. Christophe, je n'ai pas de chance au jeu, je ne joue jamais. Ouais, voilà. Tu sais ce qu'on va faire Nicole? Nicole, tu demandes le morceau que tu veux, le truc le plus difficile. Non, pas toi qui joue. Non, alors moi, j'ai un titre bien précis à demander. Attention. Pardon. Choisi, hein. Je suis tellement émue que vous m'appeliez, ça me fait énormément plaisir. Eh ben, nous, ça nous fait surtout plaisir de t'avoir au bout de te savoir au bout de ta télé, d'ailleurs. Tiens. Oh, c'est pas non plus Tom Cruise qui t'appelle, hein, Nicole. Hein. Bah si, quand même, c'est Tom Cruise. Hein. J'entends plus, vous parlez tous à la fois, je ne vous entends pas, désolé. Allez, c'est parti, on écoute. Alors, je voudrais, si c'est possible, avoir un titre de... Ça y est, j'ai oublié. Ça va te revenir. Désiré de Gilbert Bécaud. Voilà, c'est une... Ah bah ça, tu sais, toi. Oui. Elle est balèze, hein. Nicole, t'as mis la barre très très haut. Très haut. Écoute, tu sais quoi, Nicole? On va te faire plaisir. Voilà, on va te faire plaisir. C'est pas vrai. Si. Alors, tu vas être indulgente, Nicole, parce que c'est du direct. C'est la seule émission comme ça, musicale, en direct. On appelle les gens, ils nous demandent des trucs. Et mes musiciens, ils ont tellement de talent. Entre Fred qui va accompagner, je sais. Christophe qui va être là pour mettre de l'ambiance. Et ben voilà. On va le faire avec la voix de Gilbert. Si tu joues cette chanson, ben je te paye des frites. Et ben voilà. Dans le Nord, vous adorez les frites. Moi, je suis dans le Sud, je n'en mange pas beaucoup. Mais voilà, je te paye des frites. Comme super. Nicole, ça a été un vrai plaisir pour nous de t'avoir au bout du fil. On te fait un énorme bisou. On te souhaite une très belle année 2022 parce qu'on a encore... Mais pareillement. Et merci à vous trois pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment super. Avec grand plaisir. Merci, Nicole. Ouais, juste derrière, super beau, ça se bien aussi. Hein, à bientôt. Bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils disent... Les musiciens demandent s'ils sont bons. Est-ce que ça te plaît? Non, beau, si on est beau. Ah, beau. Oui. Ah, mais ça, les gars, on peut rien y faire. Vous êtes beaux tous les trois. Oui, vous êtes loin, non? Changez de télé, alors. Non, Allez, on t'embrasse. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien ce qu'il me dit. C'est pas grave. Nicole, on t'embrasse très, très fort. À bientôt.
À bientôt. Tu peux remettre le son. Et Nicole, oui. Pense bien à partager avec l'ensemble de tes amis mais là-bas partagé, du côté de l'Aviron. Mais partagé, je fais ça depuis le début. Voilà. Et tu le dis à tous tes amis, le jeudi soir, ça se passe chez nous, sur les antennes de ma télé. Oui, on je t'embrasse. Fais la pub cet après-midi. Merci Bertrand. On t'embrasse très très fort. Prenez à soin bientôt. De vous, prenez soin de vos amis. Et c'est pour Merci. Tout de suite que pour toi. Merci. Bisous. Pour Sébastien aussi. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et décadence. Robot rebelle, madone des décibels. Ouais. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles. De scotch, un rock, on parle, on rit, on danse. Ouais. Gadget de discothèque qui danse, 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 aïe, qui colle. Désiré, oh désiré, t'as le cœur, t'as l'esprit de ta génération. Désiré, oh désiré, t'as le cœur en blue jean et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Oh. Désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, ton appartement, une petite kitchenette et un balcon poster de Jet Fonda. Sur le mur, des poupées sur le lit. Je n'ai rien demandé. Hey! Tu m'apportes un whisky. Tu pars, tu reviens, peignoir de bain romantique. Ouais. On fait l'amour trop tôt, pas bien. Mécanique. Désiré, oh désiré, t'as le cœur, t'as le spleen de ta génération. Désiré, oh désiré, t'as le cœur en blue jean et les rêves en jupon. Oh, et les rêves en jupon. Oh, c'est vrai, désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, tu as l'angoisse de tout, de toi, de l'avenir. Tu caches ta peur derrière ton rire. Ouais. Oui, tu es belle comme le désir. Désiré, comme je t'aimais. Si tu savais pleurer. Allez, vas-y. Tape, tape dans tes mains. Fais du bruit chez toi. Désiré, génération. Désiré, oh désiré, t'as le cœur en blue jean et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Désiré, c'est vrai, tu portes bien ton nom. Désiré. Oh là 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 là, les amis. Que gamelle. Que gamelle. Que gamelle. Bravo, bravo. Hey, je ne savais pas, que tu maîtrisais ce répertoire-là. Il l'avait déjà fait, Dans l'accordéon, pas en live. Oh ouais, mais attends, on a fait tellement d'émissions ensemble, les amis, que... Ouais. Ça fait combien de temps qu'on fait des émissions c'est comme ça? C'est en septembre. Ouais. C'était en septembre. Et fait partie d'un CD à toi. Et je vais appeler quelqu'un, c'était pas prévu, je l'appelle. Voilà, je l'appelle. Ouais. Allez. C'était pas prévu. Hein. C'est le but. Hein. Elle se nomme Céline. Céline. Ah. Allô. Salut Céline, comment va? Bonsoir Céline. Comment? Céline, faut couper le son sur la télé. Céline.
Céline. Oui. Céline, faut couper le son sur la télé pour qu'on puisse t'entendre. Oui. Voilà. Ah, ça y est, on entend. Voilà. Faut couper le son. Ah, je suis à ma télé. Bravo Céline, gagné. Et tu as gagné le morceau de ton choix. Mais avant, Céline, est-ce que tu passes une belle soirée? Oui, très bien, je regarde tout le matin, l'après-midi et le soir. Oh, bah bravo. Et j'ai ma mère, elle vous regarde tous les jours. Oh, bah bravo. Eh ben, merci beaucoup à toi. Tu habites où, Céline? Enfin, la ville, simplement. Dans quelle région tu es? Dans l'Aisne, à Saint-Michel. À Saint-Michel. Et tu nous regardes à travers la TNT, simplement. Voilà. Sur ma 34. Eh ben, ça nous fait extrêmement plaisir, Céline, que d'être en ta compagnie. Céline, tu nous as donné ton numéro sur les réseaux. Tu nous as dit, tu peux m'appeler le matin, le midi et le soir. Eh ben, on t'appelle. Et le matin, Christophe, le midi et le soir. Christophe, tu vas, je te laisse en compagnie de Céline. Voilà. Moi ou Fred. Ou Fred, d'ailleurs, tous les deux les garçons. Hein. Ah oui, on est là, on est prêt. Moi, on est je au chante taquet. Pas, Céline. On est au taquet. Est au taquet, ouais. Je te laisse avec eux, Céline. Dis-moi. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Ça va? Ah bah ça va super. Dis-moi Céline. Les années ont passé. Tu jamais je pensais à te marier. Ah bah oui mais elle est mariée Céline, je suis sûr. Que veux-tu qu'on aille chanter ce soir à ma télé? C'est toi qui vas décider. Oh bravo. Je voudrais bien Christophe qu'il me chante du Claude François. Ah ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Alors, Céline, je te propose, on va partir tout de suite. J'avais la bonne idée de demander. Non, mais c'est pas grave. Christophe, tu prépares Claude François. Ah oui. Tu as 3 minutes, le temps que Fred nous emmène. Céline, est-ce que tu aimes Céline? Oui. Et est-ce que tu aimes Céline, mais Céline Dion? Oui, j'aime bien aussi. Écoute, dans quelques instants, Fred va interpréter juste pour toi Céline Dion. Oh. Et puis tout de suite après, Christophe, il t'emmènera dans l'univers de Monsieur Claude François. D'accord? D'accord. Eh bien, écoute, on te fait un énorme bisou. N'oublie pas la semaine prochaine de partager toute cette semaine avec tes amis, leur dire que ça se passe sur ma télé, de venir, d'être fidèle, d'être dans les directs et de nous envoyer des messages. D'accord? D'accord. Et je t'embrasse très très fort. Elle pleure. Mais non, moi elle pleure aussi. Pas. Mais non, moi elle pleure pas. Tu pleures pas, Céline, pleure pas. Quand même. Mais ça me fait plaisir, ça. J'aurais pas cru que vous m'auriez pas appelé. Eh ben, qu'est-ce que tu crois? C'est le concept de l'émission d'appeler nos auditeurs et nos téléspectateurs. Ça nous fait tellement plaisir. Parce que je savais pas comment qu'il fallait faire pour vous appeler. J'ai essayé de regarder. C'est nous qui vous appelons. Et c'est pour ça que... Ah, mais comme j'ai regardé sur Facebook pour vous avoir, c'est là que j'ai vu la télé puis que depuis tout à l'heure, je vous envoie des messages. Eh ben ouais, je les ai vus passer, Céline. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on l'appelle. Céline, on t'embrasse très, très fort. On te souhaite de passer une belle soirée en notre compagnie. Tout de suite, monsieur. Merci Bertrand. Gros, gros bisous à toi. Une très bonne année 2022. Et c'est tout de suite Frédéric Denis qui interprète Céline. Et dans la foulée, Christophe va te faire plaisir. Et ben, il va interpréter monsieur Claude François. Je t'embrasse très, très fort. D'accord. Bisous. Moi aussi, je vous embrasse fort. Bonne soirée. Les chansons, c'est pour ma mère. Ah bah voilà, comment elle s'appelle? J'avais demandé du Claude François pour ma maman Chantal Détré à Marle. Chantal, si t'es devant ton poste, si t'es pas encore couché, ça va être pour toi dans quelques instants. Elle me regarde, de toute façon. Eh bah tu sais quoi, tu peux lui faire un bisou toi-même, tiens, fais-lui un bisou. Maman, je te demande une chanson de Claude François, c'est pour toi. On t'embrasse, Chantal. Bisous, Céline. Bisous, à bientôt. Merci, Bertrand, Christophe et Frédéric. À bientôt. On vous embrasse très, très fort. Très, très fort. Alors, Fred, Céline peut en cacher une autre. Céline en cache une autre. Oui. Et Fred, oui. Céline Dion, oui. Vraiment? Oui. Alors, bon, oui, okay. Oui. Alors, c'est une chanson. Alors, pour le coup, là, j'ai fait appel à notre ami Stéphane Aubry. Ah, pour les Karazik, arrangements, voilà, karazik.fr, vous allez pouvoir retrouver cette version donc musicale sans le chant, hein, donc on parle de piste audio de cette chanson qui a été écrite pour Madame Céline Dion par Monsieur Luc Plamondon et Richard Cochente. Et c'est une chanson, et là la version que vous allez entendre, il a fait cette version pour Monsieur Kenji Girac. Donc voilà, j'ai qu'à bien me tenir.
Alors, on va... Et avant que tu démarres, on va rester est-ce que, les garçons, vous êtes d'accord que je fasse un petit message personnel ? Puisque tu parles de Céline Dion, savais-tu qu'à la naissance de... Elle a un fils, il me semble. Hein, Jean-Charles. Eh ben, mon papa, qui est musicien, qui était musicien, qui était compositeur, a composé une chanson pour la naissance du fils de Céline René Dion. René Charles. Voilà. Et Céline l'a chanté. Voilà. Ah bon ? Eh ouais. Christophe, on est bien entouré quand même. Eh, les gars, vous êtes bien entourés. On sait avec qui on travaille. Allez, je pense à lui. Christophe, ah oui, là, c'est... Fred, c'est à toi de jouer. C'est lourd. Allez, on y va. Et c'est là. Je voudrais la dédicacer, enfin la dédier à ma femme. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes. Manquer à ton port la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte. Malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout. D'avoir raison ou tort, le monde est mené par des fous. En amour, il n'en tient qu'à nous. Nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà de la démence. Malgré les bombes qui tombent aux quatre coins du monde. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Pardon. Quelle belle chanson! Faut pas que je la dédie à ma femme en fait. Si je veux, c'est parce que c'est trop, c'est, voilà, je suis trop pris dans l'émotion. Hein. Faut oser, hein, se lancer sur le Céline Dion quand même. Merci. Ah, quand même, bravo, Fred. Tu permets qu'on dise qu'on t'aime aussi un peu ou pas? Oui. Chérie, tu permets qu'on dise qu'on l'aime? Ouais. Bravo, Fred, très bien. Je coche, alors, tac, hop, ça, c'est fini. Alors, les amis, il y en a un. Christophe, avant que tu interprètes le morceau pour Céline, d'accord? Oui. Tu l'as? Ça y est, c'est calé. Oui. Bon, on va appeler. Alors là, il insiste. Qui c'est qu'on il appelle dit, ah ben, il dit, s'il vous plaît, appelez-moi. Moi, s'il c'est Alexandre. Plaît. Appelez-moi. Je m'appelle Alexandre, j'habite dans le Pas-de-Calais, dans le 62. Ça doit être un supporter lançois. C'est Alexandre qu'on a eu tout à l'heure, ça, de Calais, tout simplement. Ah, je sais pas. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Ben, oui. On va le rappeler. Bon. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Allô. Ah bah si, Alexandre, on t'a déjà eu tout à l'heure au téléphone. Comment ça va depuis tout à l'heure?
Oui, on avait été coupé, je vous vois à la télé là. Ah bah oui, bah j'espère bien que tu nous vois à la télé. Ouais. Alors Alexandre, Claude François, tu aimes ? Moi j'aime Claude François, j'aime Frédéric François, moi je suis né en 86, alors j'adore tout. Voilà, tout le j'ai été élevé dedans alors. Eh ben écoute, donc, on va te faire plaisir, on va te faire plaisir. Christophe, qu'est-ce que tu vas nous interpréter de Claude François ? Une chanson de Claude François. Laquelle ? Je ne sais plus. Il ne sait plus. Il ne sait plus ce qu'il va interpréter. S'il pourrait faire « Si j'avais un marteau ». Eh ben, okay. Si moi j'avais un marteau, je casserais les murs. Eh ben ça, on la fera la semaine prochaine avec David, parce que c'est son rayon. Eh ben d'accord. Oui. Ok, les marteaux. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, les cocaches. Alexandre, on t'embrasse très très fort. Est-ce que tu passes une bonne soirée ? T'es devant ta télé maintenant ? Oui, oui, je suis mentalé. Moi, je vous embrasse et je vous regarde tous les jours. Même mes parents, ils vous regardent tous les jours. Merci, Alexandre. Merci du fond du cœur. Vous êtes super. Merci du fond du cœur, Alexandre. Tout de suite, Claude François. C'est pour tous les amoureux de Monsieur Claude François. On t'embrasse, Alexandre. J'adore bisous. Cette chanson, merci, un gros bisou. Au revoir. Papa, balance les notes. J'adore celle-là. Alors, avec la reverb, tu vas voir, c'est terrible. Ouais, c'est super. La lampe au soleil. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est parce que c'est ça. Bouge pas. Ça fait comme ça. Ouais. J'ai besoin qu'on m'aime et personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir ce que viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Les apparences sont quelquefois contre moi. Je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là avec vous comme avant. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Savoir d'où viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi, car je suis mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oh, je suis. Alors, les copains, les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où mieux viennent les joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oh, je suis sur ma télé. Je suis sur ma télé. Ouais, c'est super. Et t'es en direct avec nous. Alors, bravo Christophe, bravo. Je bravo, voudrais bravo. Embrasser et faire un grand coucou. Mais vas-y. Elle a organisé un anniversaire de mariage de folie à ses parents qui s'appelle Chantal et Marcel. Un grand coucou à Marcel. Qui a engueulé d'ailleurs ce soir-là Maurice en lui demandant ce qui se passait. Je voudrais embrasser Katia et tous ses invités, voilà, qui étaient présents ah oui, Katia, ce samedi. Ah oui, à Cervé. Exactement. À Cervé. Ouais, ils ont tout respecté le protocole. Alors, franchement, des organisations comme ça, c'est extraordinaire. Et je peux te jurer qu'au moment du café, j'ai pris une potion magique. Et je me suis pris pour Astérix là. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui. Et les garçons. Les yeux qui ont fait les clignotants. Est-ce que vous voulez bien qu'on appelle un de mes collègues cette Allez, fois-ci? Allez, vas-y. Mes collègues. De tes collègues, oui. Un de mes collègues. Vous voulez oui. bien? Oui. On les connaît tes collègues normalement. Eh ben, on a eu son papa tout à l'heure au téléphone. Ah, Baptiste. Eh ouais. Mais alors, Baptiste,
Il n'était pas devant son poste. Je vous expliquais pourquoi. Je vous expliquais. On l'appelle et je vous explique. Oui, allô. Alors, il n'était pas devant son poste il y a quelques instants, parce que sinon, il ne nous aurait pas demandé ce morceau-là par les réseaux. Salut Baptiste, comment vas-tu? Salut Bertrand, salut Fred, salut Christophe, vous salut, allez bien Baptiste. Salut Baptiste. Alors Baptiste, il travaille avec nous, les garçons. Le roi du basket et du sport. C'est le roi du basket, c'est lui qui anime les soirées basket sur la France entière, ouais. Sur la Ligue Nationale de Basket. Et on n'a même pas eu, et je vais vous dire, on n'a même pas eu l'occasion de débriefer le match de mardi soir, tellement il était extraordinaire. Mais moi, mercredi, j'ai eu la tête sous l'eau. Et moi, je vais toute la journée. Ouais. Baptiste, attends. Non, non, je lui donne carte blanche. Carte blanche. Ah bah d'accord, carte. Ah, carte blanche. Tu as carte blanche. T'as entendu le jeu de mots ? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, Baptiste, on a passé une excellente soirée en compagnie de toi et de notre ami Passe-Passe mardi soir sur notre antenne. Ceux qui aiment le basket, qui aiment la musique, mais qui aiment aussi le basket. Passe-passe, et oui, passe-passe sanitaire, c'est comme ça. Nous, on a passe-passe, carrément. Il y a passe-passe Fort Boyard et qu'il dépose. Ah oui, on a aussi passe-passe du Fort Boyard. Nous, on a tout, nous. On a tout. On est regardé à travers toute la France. Baptiste, tu peux faire ton choix, mais pas ce que tu m'as envoyé, parce qu'on l'a déjà joué il y a quelques instants. Alors, tu fais ton choix, tu nous le dis, et Christophe va te l'interpréter après Clo-Clo. Ou Fred, d'ailleurs. Ça dépend. Mais alors, je leur laisse carte blanche. Ils me font plaisir, ce qu'ils veulent. Parce que si le morceau que je voulais, ils peuvent pas le faire, ou il a déjà été fait. C'était quoi? Ce qu'ils veulent. Les yeux d'Emily, mais on l'a fait il y a quelques instants. On l'a fait déjà. On l'a déjà fait, c'est ton papa qui l'a demandé. Alors après, qu'est-ce que vous voulez? Dans la famille, on a déjà eu le papa, on a le fiston maintenant. Après, on appelle ta fille, hein, tu nous donnes son numéro de téléphone. Non, mais t'as pas un petit choix? T'as pas un petit truc? Qu'importe, Vous êtes bon, je vous fais confiance. Et ben voilà, d'accord. Et ben écoute, on te fait un énorme bisou. Est-ce que tu passes une bonne soirée? Ben forcément, si je vous regarde et que vous m'appelez, c'est que j'étais forcément devant et que je passe une très très belle soirée. Et ben, on te retrouve à l'antenne mardi prochain, il me semble. Hein. Exactement, exactement. Et demain également dans l'émission. Exactement. Dès qu'ils seront partis, on fait le ménage et on réinstalle tout ce qui va bien pour demain. Je te fais un énorme bisou, on te retrouve demain. Et puis un gros bisou à ta petite chérie et à la petite Blanche. On t'embrasse. Bisous à tout le monde. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Bon, ciao, les gars, ciao. Vous avez carte blanche, hein, vous avez le choix. Ouais. Et on commence par la Clo-Clo pour faire plaisir à Céline. Hein. Bah, on je l'a dit. Faire. Je suis le mal-aimé. Ouais, oh ouais, non, dis donc, t'étais pas là. J'étais pas avec vous, les garçons. Oui. Alors, par contre, on va vous faire un petit bœuf comme ça. Je sais, normalement, il a joué à la batterie. Un bœuf? Ouais, et je sais qu'il adore ce morceau, mais vu comment il joue du piano. Et les gars, les pizzas sont arrivées. On peut faire un petit big up à Pizza Rabbit? Ah bah oui. Un petit big up, tu peux nous faire un truc Pizza Rabbit? Alors si vous êtes sur le territoire du Saint-Quentinois, si vous aimez les pizzas, il n'y a que chez Pizza Rabbit. Allez tiens, mets ton Y a la calzone qui était arrivée, y a la trois fromages aussi qui est fondue, et puis y a Pizza Rabbit à Saint-Quentin qui vous attend tous les jours. Et mets ton micro un peu plus près, t'en as. Et les jeudis, je crois qu'il y a une promo extraordinaire sur Inagé. Et les jeudis à Pizza Rabbit. Le patron, il vous montre. Non, j'y vais. Allez, vas-y, c'est parti pour votre boss. Non, écoute. Et le jeudi à Pizza Rabbit, le patron, il vous montre sa carte de pizza. Rabbit. Et voilà. Ça s'appelle du placement de produit, là. Voilà. Ouais, mais bon, faut bien qu'on mange. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti pour le petit bœuf imprévu, tous les deux. La mineure. Ensemble. Avec, c'est parti. Avec la Reverb Blue. La Reverb, c'est un peu plus cher. J'ai été livré cette semaine. Ça... Angel, my own. On vous l'a demandé tout à l'heure. Baby. On sait, hein, bravo. Quoi? On nous l'a demandé baby. Il y a quelques instants. Bravo. Cause you don't care. Well, please. Set me free. Every time I call you on the phone,
Un grand, grand bravo. Thank you very much. Tout ça, vous le vivez sur Studio 5 et nulle part ailleurs. Allez, on se retrouve dans quelques instants.